C'est l'info sportive du jour, elle concerne le meilleur buteur du championnat national, l'attaquant du SAS Football, Esteban Le Poll, qui est resté en civil à l'heure de l'entraînement du jour. Et pour cause, celui qui était pisté par de nombreux clubs de niveau supérieur venait de prendre congé de ses partenaires. Ouais, c'est un au revoir. Il y a un accord qui a été trouvé avec le club pour mon départ. Donc voilà, j'ai pris mes affaires et je m'en vais. Donc départ pour Pour le SCO d'Angers. Ça a été acté, voilà, ils m'attendent ce soir et il n'y aura plus qu'à paraffer le contrat. Quel statut, pour combien de temps? Contrat de 3 ans et demi, un statut pour arriver dans un groupe qui est solide, qui est premier, qui a 7 points d'avance sur le troisième, qui a un objectif de monter et qui compte sur moi. Voilà, on a discuté longtemps, c'est pour moi le meilleur projet. Ça s'est fait dans la nuit, et donc là c'est encore pas signé, mais c'est en bonne voie pour l'être. Donc Esteban va partir à Angers. C'est vrai qu'on arrive à la fin du mercato, j'aurais préféré qu'on soit prêt pour le match de Nancy. On aurait pu faire les choses avant, on aurait dû faire les choses avant probablement. On n'a pas été très bon sur ce coup, mais maintenant c'est comme ça. On peut toujours parler du passé, le passé c'est le passé, maintenant c'est dans le présent et le futur qu'on vit. Donc dans le présent on prépare notre futur et on le prépare activement. Je peux vous dire que tous les jours on passe des heures à préparer ce mercato. Cette équipe d'Épinal engluée dans la zone rouge avec 13 points en 17 journées attend l'arrivée de 4 nouveaux joueurs après le départ acté de ses deux attaquants, Camara et Le Poll. La gâchette qui a tenu à faire passer un message à son désormais ex-club. Je les ai remerciés, j'ai essayé de dire les choses les plus positives possibles parce que c'est un vrai groupe, c'est un groupe qui n'a pas lâché, même quand on était au fond du trou et que tout le monde nous pensait mort, on n'a pas lâché. Et je pense que demain, c'est le moment de refrapper un grand coup comme on l'a fait à Nîmes en battant Nancy dans un match important et qui nous permettrait d'aborder deux matchs qui vont être vraiment très très importants avec Gaulle et Cholet. Sans recrue pour l'heure et très diminué, le SAS va dans un premier temps tenter de faire bonne figure ce vendredi lors du derby lorrain face à l'AS Nancy Lorraine qui reste de son côté sur 4 victoires consécutives. Un match à suivre ce vendredi à 19h30 au stade de la Colombière.